Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter Nail Art comme d'habitude facile, enfin, du moins comme la dernière fois vu que c'est ma deuxième vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite quel est ce Nail Art. Donc ce Nail Art ressemble à ceci. Donc voilà, donc c'est un vernis pailleté, rose, rose clair et foncé, et blanc qu'il vous faut, et du scotch. Donc mon vernis blanc, c'est celui de Vera Valenti, le B23. Ensuite, le vernis rose foncé, c'est le 16K300 de Color Show. Le vernis rose clair qui tient un peu vers le blanc, c'est le 301 de chez Trendy Color de la marque SE2S. Et pour finir, donc votre scotch et le vernis pailleté. Donc moi, c'est le numéro 1 de Fashion Makeup. Je préfère celui-là car il a une tenue de 7 jours, donc une semaine. Et ça permet de pas tous les jours mettre une couche de vernis pour que ça se voie. Et en fait, ça se voit vraiment de suite. Donc voilà, il est assez rapide à sécher en plus, mes vernis sont assez rapides à sécher, surtout le 16K300 de Color Show. Voilà, donc tout d'abord, il faut découper 10 bandes de scotch et les poser en diagonale comme ceci. Voilà, vous voyez? En diagonale. Donc sur la partie de l'ongle qu'il vous reste, appliquez le vernis pardon, foncé. Donc moi dans le cas rose. Vous pouvez bien sûr changer les teintes de couleur. Vous pouvez prendre violet, vous pouvez prendre bleu. Moi j'ai choisi rose pour faire plus girly. Voilà. Donc bien évidemment, on attend que ça sèche. Une fois que ça a fini de sécher, on enlève le scotch et on le recule toujours dans le même sens diagonal. Hein. On le recule, on essaye de prendre la même largeur à peu près. On essaye voilà, de laisser la même largeur d'ongle pour ensuite mettre le deuxième étage. Moi j'appelle ça des étages. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi je surnomme ça des étages. Donc pour mettre la deuxième partie dégradée, on va dire. Voilà, donc le deuxième étage. Donc c'est un petit peu long, surtout pour voir à peu près la largeur, que ça soit pas trop gros ni trop petit. Voilà. Surtout pas trop petit et surtout pas trop gros. Donc il faut vraiment que ça soit pile poil en fait. Pense que c'est bon comme ça, voilà. Hop. Donc toujours très diagonale. Donc vous faites ça sur vos 10 ongles. Donc moi j'en ai que 5 à faire. Ça va aller un peu plus vite. Donc malheureusement je suis gauchère et du coup là je suis en train de faire ma main gauche. Donc je travaille de la main droite. Donc j'espère que ce sera pas trop du gâchis en fait. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. Voilà. Malheureusement, j'ai vu que j'ai pris le même scotch pour les 10 ongles. Il colle plus très bien. Donc, vous prenez votre vernis ensuite clair et vous l'appliquez sur la bande d'ongles que vous avez laissée.
sans dépasser sur l'autre bande. C'est ça le plus délicat en fait, hein, dans ce nail art. Sinon, il est très simple. Voilà. Sinon, il est vraiment très simple à réaliser. À part le fait de faire attention de pas déborder sur les autres bandes, il n'y a pas de difficulté hein, dans ce nail art, il est vraiment facile à faire. Je dis pas rapide parce que bon, il faut une certaine patience, hein, le temps que ça sèche, tout ça. Mais bon. Une fois que vous avez le coup de main, ça va aller vite. Ça va vite. N'allez pas trop vite non plus, ne vous enflammez pas. Hein. Évitez de réaliser ce nail art si vous êtes attendu dans quelques minutes. Car ça prend pas non plus une heure, une demi-heure, 20 minutes, non. Hein. Ça prend un bon petit quart d'heure quand même. Le temps que ça sèche. Hop là. C'est surtout le séchage en fait dans le vernis le plus long. Parce qu'après, une fois que c'est fait, c'est parti pour au moins une semaine. Hein. Ouais, une semaine de tenue, c'est vraiment pas le minimum ni le maximum, mais maximum, c'est vraiment le vernis permanent. Qui est donc. Lui tient au moins pratiquement un mois, 3-4 semaines. Hein. Voilà, pratiquement un mois. Mais sinon, voilà, sinon, ça dure à peu près selon les vernis. Et si selon si vous mettez une base brillante ou un top coat pour protéger. Voilà, si vous. Un vernis elle va durer plus longtemps s'il est protégé par un top coat ou un brillant en fait. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire passer ma vidéo un peu partout afin de me faire connaître. Hein, si vous avez des amis qui s'intéressent, elles aussi à... Enfin, pas vraiment s'intéressent, mais aiment avoir de beaux ongles et avoir des ongles assez originales. Des ongles originaux, pardon. C'est le soir, c'est normal, je suis fatiguée. Des ongles originaux, j'y arriverai jamais. Eh bien, s'il vous plaît, dites-leur d'aller voir sur YouTube, de taper Julie Mazet. Donc, Mazet, je rappelle, ça s'écrit avec un M, un A, un Z, un E et un T. Julie, tout le monde sait écrire, Julie Mazet. Et vous trouverez mes vidéos, du moins pour l'instant, mes deux vidéos. Voilà. Donc, je pense que c'est fait, que comme je vous l'ai dit, ça sèche très vite, enfin du moins les miens. Et de toute façon, je crois qu'en fait, je devrais pas trop... Hein? Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. J'ai fait une petite bêtise, j'ai pas fini mon ongle en fait, en vous parlant. J'ai pas fini, ouais, j'ai pas fini de verner mon ongle tout à l'heure. Donc du coup... Je me retrouve avec un ongle à moitié fait. Je me disais, il est passé où le vernis là? C'est pas possible. Voilà, au moins il sera fait. Donc celui-là, on va attendre. On va l'enlever délicatement vu que on le laisse pas trop sécher quand même. Hein. Franchement, moi c'est parce que voilà, je suis pressée. Il faut que voilà que je m'organise pour demain tout ça parce que le boulot reprend. Allez, hop, 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 au boulot quoi. Demain matin on se lève tôt. Donc c'est parce que moi je suis un petit peu pressée. Mais sinon, si vous n'êtes pas pressée, vraiment attendez. Je vous le conseille.
fortement attendez que le vernis soit sec. Là. Vous allez voir le résultat est vraiment girly quoi. C'est vraiment ça prouve qu'on est vraiment des filles et franchement je trouve que le résultat est là quoi en fait. C'est pas un truc qui est à moitié fini, qui est mal fait, qui au bout de 3 jours on va vouloir l'enlever parce qu'on a honte en fait ou on en a marre. C'est vraiment un truc en fait on se dit putain pourvu qu'il s'écaille pas, pourvu qu'il reste 2 mois. Surtout quand on se dit en plus j'ai pas trop envie de recommencer quoi. Moi je vous le dis, un vernis. Dans mon cas, moi, où je pratique beaucoup de sport, voilà, je pratique beaucoup de sport. Dans mon cas, moi, le vernis dure environ la moitié d'une semaine, ouais. 3-4 jours, il dure. Plutôt 4 jours, en fait, ouais. Il dure à peu près 4 jours. Mais en fait, je fais vraiment. Du sport intense hein, où j'utilise mes mains. Donc, voilà, c'est normal que moi il s'effrite. Mais pour quelqu'un qui travaille, on va dire, enfin qui travaille ou qui est à l'école, hein, et qui pratique pas vraiment de sport ou qui pratique que de la danse, ou quelque chose où on n'utilise pas les mains en fait, ben, il n'y a pas de souci, hein, il tiendra une semaine, voire une semaine et demie. Vraiment. Oh, j'ai déjà fait le caca. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god. J'ai fait un petit caca. Un gros même. Allez, aidez-moi. Regardez ce que j'ai fait. J'ai du vernis blanc là. J'ai fait un gros caca. Je vais essayer de rattraper ça tout à l'heure quand ça sera sec. Je vais essayer de passer, de repasser une couche de chaque vernis à l'endroit où ça se trouve. D'ailleurs, je vais faire maintenant. Alors, on va essayer de rattraper la bêtise. Une couche de rattraper, est-ce que la deuxième va y arriver? Et donc On a maintenant. fini pour l'émission là. Je pas. C'est fini. Bien. Excusez-moi. Donc voilà. Donc maintenant, une fois que la base blanche est sèche, vous prenez votre vernis transparent, transparent mais pailleté, donc pailleté.
Et vous en mettez comme si vous mettiez un top coat sur l'ensemble de l'ongle. Et attendez que ça sèche. Et voilà, vous pourrez aller faire la belle dans les rues et montrer vos ongles à tout le monde et faire beaucoup de jalouses. Et d'ailleurs, pour ces filles jalouses de vos ongles, donnez-leur mon nom. Dites-leur d'aller sur YouTube et de taper Julie Mazet, M-A-Z-E-T, Mazet Julie, Julie Mazet, et de regarder mes vidéos. Et dites-leur que franchement, là, elles seront au top.